Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus, vous tous qui êtes venus ce matin au Temple du Marais et qui êtes là rassemblés. Vous qui êtes présents avec nous sur Internet maintenant, connectés grâce à ce miracle technologique et Internet, mais aussi grâce à ce miracle du Saint-Esprit. Vous êtes les bienvenus, vous les enfants et les adolescents qui êtes là aussi ce matin et qui allez partager la parole de Dieu, célébrer le Seigneur ensemble. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes tous les bienvenus parce que Dieu se réjouit que nous soyons rassemblés ce matin pour le célébrer. Et il nous bénit. J'avais à cœur de prononcer cette bénédiction au début du culte. Vous savez, souvent on a l'impression qu'il faut attendre la toute fin du culte pour recevoir la bénédiction. Mais non! Dès maintenant, Dieu vous bénit. Il vous bénit en vous offrant sa grâce et sa paix maintenant. Alors, soyons dans la joie, frères et sœurs, d'être les bienvenus ce matin, quel que soit votre état physique, émotionnel, spirituel. Ce culte est là pour chacun de nous, pour nous remettre dans la vie avec Dieu. Je vous invite à vous lever et nous allons prier. Oui, Dieu notre Père, devant toi rassemblés ce matin, nous sommes dans la joie. Et nous accueillons, Seigneur, cette parole de bienvenue et de bénédiction que tu poses sur nous tous maintenant. Merci de nous bénir par ta présence, par ton Saint-Esprit qui est ici au milieu de nous, en nous, qui travaille, qui circule, qui agit. Merci de nous bénir par ta grâce, ton pardon qui nous a précédés dans ce lieu. Quoi que nous portions, quel que soit le fardeau, Seigneur, tu nous offres ta grâce et tu nous bénis par ta paix. En entrant dans ce lieu, Seigneur, nous accueillons cette paix qui vient de toi, qui va au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Tu viens déposer ta paix dans nos cœurs. Seigneur, merci. Merci pour tout cet amour que tu déverses sur nous maintenant et qui nous unit les uns les autres, qui fait de nous des frères et des sœurs en Christ. Nous accueillons ton amour, Seigneur. Nous nous laissons vaincre maintenant par ton amour et par ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous louons le Seigneur. Parmi les Thank you.
Je vous invite à louer le Seigneur avec le psaume 29, psaume de David. Vous, les fils des dieux, venez honorer le Seigneur. Venez proclamer la gloire et la force du Seigneur. Venez proclamer la gloire du Seigneur. Courbez-vous jusqu'à terre devant lui quand il manifeste qu'il est Dieu. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. La voix du Seigneur retentit au-dessus des eaux. Le Seigneur domine les eaux immenses. La voix du Seigneur résonne avec puissance. La voix du Seigneur résonne avec majesté. La voix du Seigneur casse les cèdres. Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir les montagnes du Liban comme de jeunes taureaux, le mont Hermon comme un jeune buffle. La voix du Seigneur fait jaillir les éclairs. La voix du Seigneur fait trembler le désert. Le Seigneur fait trembler le désert de Kadesh. La voix du Seigneur fait naître les jeunes fans. Elle dépouille les forêts. Dans le temple du Seigneur, tous proclament « Gloire à Dieu ». Le Seigneur siège au-dessus des eaux sans fin. Il sera toujours le roi. Que le Seigneur donne de la force à son peuple, qu'il le bénisse en lui donnant la paix. Amen. C'est le moment pour
les enfants et les jeunes de l'église de nous quitter pour un temps et d'aller rejoindre leurs activités, notamment leur culte à eux dans la crypte. Donc pendant qu'ils se mettent en ordre de marche, je vais prier en notre nom à tous pour eux. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ces enfants, nos enfants, mais qui sont surtout tes enfants. Nous te rendons grâce pour leur présence au milieu de nous. Nous te rendons grâce parce que ils nous émerveillent. À travers eux, nous voyons toute la beauté de ta création et la merveille que tu suscites au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te les confier maintenant, te demander que ce temps qu'ils vont partager ensemble dans ta présence soit pour eux comme, une quête, qu'ils puissent non seulement être des chercheurs d'or ce matin, mais qu'ils puissent chacun repartir après ce temps avec une pépite d'or que tu leur auras confiée. Seigneur, que ta parole, que ton amour soit pour chacun d'eux une pépite d'or. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Bientôt, ils vont être plus nombreux que nous. Amen. Alors, je vous invite à écouter ce matin la volonté de Dieu dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, les versets 14 à 23. Jésus appelle de nouveau la foule et il dit aux gens, « Vous tous, écoutez-moi et comprenez bien ceci. Aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle entre en elle. Au contraire, ce qui sort du cœur, voilà ce qui rend une personne impure. » Jésus quitte la foule et il entre dans la maison. Alors les disciples l'interrogent sur ce qu'il vient de dire. Et Jésus leur répond, « Vous non plus, vous n'êtes pas encore capables de comprendre. Aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle entre en elle. Vous ne comprenez donc pas cela? Ces choses n'entrent pas dans son cœur, mais dans son ventre, et ensuite elles sortent du corps. Par ces paroles, Jésus montre qu'on peut manger de tous les aliments. » Il leur dit encore, ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. En effet, les mauvais désirs sortent de l'intérieur du cœur humain. Ainsi, les gens ont une vie immorale, ils volent, ils tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils veulent avoir toujours plus, ils font du mal aux autres, ils les trompent, ils se conduisent n'importe comment, ils sont jaloux, ils disent du mal des autres, ils sont orgueilleux. Il manque de sagesse. Tout ce mal sort de l'intérieur d'une personne et la rend impure. Amen. Et je vous invite à prier. Dieu notre Père, tout à l'heure avec le psaume 29, nous avons célébré ta gloire. Et nous nous sommes souvenus de la puissance de ta parole. Oui, la voix du Seigneur résonne avec majesté. C'est ce que nous avons prié. Alors maintenant, nous voulons aussi prendre au sérieux cette parole dans nos vies. Par la voix de ton Fils ce matin, tu nous dis quelque chose que, comme les disciples autrefois, nous avons du mal à comprendre, mais surtout à reconnaître. À accepter. C'est tellement plus facile de penser que le mal
viendrait de l'extérieur, que la violence vient toujours des autres et que nous devrions seulement nous protéger des attaques qui viennent d'ailleurs. Par la voix puissante de ton Fils, ce matin tu mets la lumière sur notre péché. Ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort de lui. Nous nous croyons forts, nous nous croyons saints, purs, bien intentionnés, équilibrés dans nos pensées et dans nos jugements. Et pourtant, le péché est bien là, tapis au fond de nous. En nous, il y a cette lutte incessante entre ton esprit qui veut étendre son règne de paix et d'amour en nous et notre orgueil qui résiste, qui refuse de plier. Il y a notre désir d'être le seul maître à bord et tout ce que ça produit en nous. Pardon, Père. Oui, pardon. Pour toutes ces fois où nous avons laissé nos mauvais désirs parler plus fort que ta voix. Pardon pour toutes ces fois où nous avons fait des choses qui étaient contraires à ta loi et nous le savions, mais nous avons préféré notre loi à nous. Pardon pour toutes les fois où de notre cœur sont sortis des pensées ou des projets qui ne te rendaient pas gloire et qui ont amené du désordre dans ta création. Pardon. Pardon pour toutes les fois où notre bouche a prononcé des paroles mauvaises, injustes ou inadaptées et que ces paroles sont devenues des malédictions pour d'autres. Pardon pour toutes les fois où notre regard de convoitise a amené de l'impureté là où il ne devait pas y en avoir. Oui, Père, nous te demandons pardon. Et nous prions que ton pardon nous rende victorieux de ce péché qui, sans cesse, nous tire vers le bas. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tel que je suis sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi et ta gloire.
Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de la part de Dieu. Avec cette parole que nous lisons dans la première lettre de Jean, au chapitre 1er, le verset 9. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Frères et sœurs, non seulement Dieu nous pardonne maintenant, mais il a le pouvoir d'enlever le mal qui est en nous par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous restons debout pour confesser maintenant notre foi. Et nous allons confesser notre foi avec la confession de Barmen, qui est la confession des chrétiens confessants. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les hommes. Dieu, le Père, a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité.
Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les hommes, et spécialement des pauvres. C'est lui que nous voyons avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie, juge, humilie, calomnie Jésus-Christ, car tout homme a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit qui est l'homme. Nous avons à faire nôtre les choix qu'il a faits, faire passer les personnes avant les richesses, la liberté avant la tranquillité, la vérité avant la propre opinion, le respect des autres avant l'efficacité, l'amour avant la loi. Jésus-Christ ressuscité nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix. Il accueille au lieu d'exclure, il respecte au lieu de condamner, il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. Et je vous invite à vous asseoir. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu qui va nous être partagée par Antoine. Bonjour à chacun. Aujourd'hui, nous allons lire deux passages, un passage de la Genèse qui est le passage du Yabok et un deuxième texte de l'évangile de Marc qui est le chapitre 10 sur le jeune homme riche. Mais avant de lire, nous allons prier. Seigneur, tu nous as donné ta parole qui nous guide, qui nous éclaire. La Bible est pour nous un compagnon quotidien qui nous enseigne, qui nous rassure, qui nous inspire. Fais que les paroles que nous allons lire, partager, nous éclairent cette semaine et nous inspirent, pour que nous soyons des enfants de ton royaume. Amen. Donc nous commençons par le passage de la Genèse sur donc, le passage du Yabok. Alors, je commence un petit peu avant le passage du Yabok parce que je trouve qu'on a envie de se mettre en bouche avant d'attaquer le cœur du sujet. En quelques mots, donc, Jacob revient vers la terre de Canaan pour retrouver Isaac, son père, et sa famille, et se confronter à son frère Ésaü. Et donc, le passage du Yabok est un moment important dans ce chemin de retour. Il donna le même ordre au second serviteur, puis au troisième, puis à tous ceux qui marchaient derrière les troupeaux. « C'est de la même manière, dit-il, que vous parlerez à Ésaü quand vous le trouverez, et vous lui direz, « Ton serviteur Jacob vient lui aussi derrière nous. » Il se disait en effet, « J'adoucirai son humeur en me faisant précéder de ce présent. Après quoi, je le verrai en face, et peut-être me fera-t-il bon accueil. » Le présent passa en avant, lui-même demeura cette nuit-là au camp. Cette même nuit, il se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants, et il passa le gué du Yabok. Il les prit et leur fit passer le torrent, puis il fit passer ce qui lui appartenait, et Jacob resta seul.
Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe du fémur, qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit, « Laisse-moi, car l'aurore s'est levée. » « Je ne te laisserai pas, répondit-il, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?»« Jacob, répondit-il. » Il reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda, « De grâce, indique-moi ton nom. » « Et pourquoi, dit-il, me demandes-tu mon nom ?» La même, il le bénit. Jacob appela ce lieu Péniel, c'est-à-dire face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauve. Le soleil se levait quand il passa Pénuel. Il boitait de la hanche. C'est pourquoi les fils d'Israël ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à la courbe du fémur aujourd'hui encore. Il avait en effet heurté Jacob à la courbe du fémur, au muscle de la cuisse. Donc nous poursuivons nos lectures avec l'évangile de Marc. Comme il se mettait en route, quelqu'un vint en courant et se jeta à genoux devant lui. Il lui demandait, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme lui dit, « Maître, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. » Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va. Ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais à cette parole, il s'assombrit et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous aimez les romans. Bon, j'adore les romans. Je réponds pour vous, pour moi. Je les aime trop. J'aime les romans policiers, les romans sentimentaux, les romans d'amour, les romans d'aventure, les romans de cap et d'épée particulièrement. Et il y a une question que se posent les théoriciens de la littérature. Quel a été le premier roman ? Alors, certains ont dit que c'est La Princesse de Clèves. Je ne sais pas si vous avez lu La Princesse de Clèves, livre magnifique. Bon, Princesse de Clèves, c'est un roman du XVIIe siècle, mais en fait, ce n'est pas du tout le premier roman, parce qu'il y a d'autres chercheurs qui ont dit non, non, c'est un roman japonais, je ne vais pas vous dire le nom, du XIe siècle. Là, c'est déjà plus loin. En fait, ce n'est pas du tout vrai. Moi, mon impression, c'est que le premier roman, c'est la vie de Jacob. C'est le premier roman de l'humanité. Et il est dans le livre de la Genèse. Jacob, c'est le troisième grand patriarche. Abraham était déjà un personnage un petit peu de roman avec des voyages. Il déguise sa femme, on dit que c'est sa sœur. Enfin, il y a des choses incroyables dans la vie d'Abraham. Alors, Isaac, c'est plus
hein, c'est plus classique. Et puis arrive Jacob. Alors Jacob, c'est une série d'histoires incroyables. Cela ressemble à un roman. Hein, il trompe son père pour avoir sa bénédiction au détriment de son frère aîné Ésaü. Puis il s'enfuit parce qu'il a peur d'être tué. Il va très loin et il lui arrive des tas d'aventures. Il y a des tromperies, des ruses, des peurs, des fuites, de l'amour, beaucoup d'amour, hein, l'amour pour une femme. Il travaille 14 ans pour son beau-père, pour cette femme, hein, c'est beaucoup. Et voilà, c'est un roman. Je ne vais pas résumer la vie de Jacob parce qu'il faut la lire. C'est un tel plaisir qu'il ne faut surtout pas s'en priver. Mais la vie de Jacob, c'est beaucoup plus qu'un roman, c'est une inspiration. Parce que la vie de Jacob est vraiment un enseignement. Et le passage du Yabok, c'est un enseignement sur les passages que nous avons à accomplir. Et nous allons aujourd'hui méditer sur ces passages. Parce que nous avons tous des passages, et tous ces héros de roman, voilà, ils font face à des épreuves, et ces épreuves sont l'occasion de passages. Et voilà le passage du Yabok. Donc Jacob, après une vingtaine d'années loin de la terre de Canaan, loin de sa famille, de son père, il a fui tout ça suite à cette tromperie. Donc toute sa vie est marquée jusqu'à présent par une tromperie. Il a fui parce qu'il a fait quelque chose que fondamentalement on ne devrait pas faire. Et il veut revenir, il doit revenir. Parce que c'est important, parce que c'est retrouver la place dans sa famille, mais cette place dans sa famille, c'est cette place dans l'alliance avec Dieu qui a fait alliance avec Abraham et qui a fait alliance avec nous. Donc ce retour, c'est d'abord une mise en marche pour retourner vers le Père. Mais autant Jacob était parti tout seul parce qu'il avait peur de se faire tuer, autant il revient avec des troupeaux, des serviteurs, deux femmes, deux servantes, 11 enfants qu'il a eus avec ses deux femmes et ses deux servantes. Donc, Jacob, qui était le second, celui qui était un peu voué être dans l'ombre, était devenu, entre guillemets, quelqu'un. Il avait réussi. Et peut-être aussi se disait-il qu'il était capable de retourner dans son pays parce qu'il avait réussi. Et là aussi, il y a une ambiguïté. Hein, il veut retourner dans l'Alliance, mais il retourne dans l'Alliance parce qu'il se sent fort de ses richesses. Et voilà, il chemine et il arrive à ce passage du Yabok qui est un moment clé de sa vie, et nous allons voir pourquoi. Je pense que là, il se retrouve à ce point clé où comment peut-on être en retour vers son père, en retour vers sa famille, en retour vers Dieu, et toujours en faute et avec le poids d'une faute sur les épaules. Et c'est ça qui le met en route. Mais quand il s'agit de franchir le gué, on peut dire que Jacob, qui toute sa vie a quand même été très habile, hein, il calcule, il se débrouille, il trouve des astuces. Hein. Là, on peut dire que Jacob fait quelque chose de totalement déraisonnable. S'il avait voulu, entre guillemets, tout planter, il n'aurait pas fait autrement. La nuit tombe et il envoie femmes, enfants, serviteurs, troupeaux sur la route, passer le gué
et partir sans lui. La nuit, c'est le moment de toutes les attaques, de toutes les menaces. C'est le moment de toutes les craintes. C'est le moment où ils ont tous besoin de la protection de Jacob, qui est le patriarche. Et est-ce qu'on voyage la nuit ? Qui, à la nuit tombante, va reprendre la route et envoyer tout le monde sur les chemins ? Personne. On a l'impression que Jacob a perdu la tête. Et au moment où se repose, lui, il envoie tout le monde. Et le texte dit quelque chose de très fort. Et Jacob resta seul. Jacob a constitué cette famille. Il a assemblé tous ses biens. Il a tout construit pendant plus de 20 ans. Et il reste seul. Il met tout cela à distance. Sa richesse, Léa, sa première femme, Rachel, sa deuxième femme qu'il a tellement aimée. Il fait le choix de rester seul pour se préparer à cette rencontre, pour se préparer à un après. Et là, il fait quelque chose de magnifique. Il sent qu'il faut mettre à distance ses biens, ses richesses, sa fierté, tout ce après quoi il a couru pendant toute sa vie. Il met tout au loin. Parce que, en fait, tout ce qu'il a est aussi ce qui le gêne. L'image du gué est aussi magnifique. On peut passer des rivières sur des ponts larges et sûrs. Il passe le gué la nuit. Le gué, c'est un endroit un peu incertain. On peut tomber dans la rivière. Le gué n'est pas, par essence, n'est pas sûr. La nuit n'est pas sûre, mais le gué n'est pas sûr. Et donc, Jacob se met un peu en danger. Il se met dans une position de difficulté. Il est guidé par le Seigneur. Mais il ne reste pas seul longtemps. Tout de suite, un homme se jette sur lui. Le combat dure toute la nuit. C'est un combat sans armes, c'est un combat à main nue, sans cri, sans bruit. Le combat, dit le texte, est si serré, on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui parle. Ils se parlent. Et il est difficile, quand on lit le texte, de se dire mais qui a dit quoi ? On finit par le trouver, mais il faut chercher. Ce n'est pas du tout une évidence du dialogue. Et ils sont enchevêtrés de façon tellement forte qu'on ne sait plus qui est qui. Mais à la fin de la nuit, l'un des deux, Jacob, est blessé à la hanche et le jour se lève. Et l'inconnu doit partir. Je crois que voilà, le jour se lève et il est temps d'y voir clair. Il y a eu un moment de nuit, d'obscurité, de doute, de combat, et maintenant il est possible d'y voir clair. Mais qui est cet homme que Jacob a rencontré au Yabok ? Alors on peut comprendre cet homme de tas de façons différentes. Moi, je comprends que cet homme, il s'agit bien d'un homme, n'est pas n'importe quel homme. Et Jacob vit ce combat comme une rencontre avec Dieu. Et il demande à être béni. Il demande la bénédiction de cet homme. Et cet homme lui dit, mais pourquoi veux-tu savoir mon nom ? Je pense que cet homme, c'est Jacob lui-même. Jacob, c'est un homme qui veut tout.
Il veut tout et son contraire. Il veut retourner à Canaan, retrouver sa place, mais il a peur d'aller lui-même retrouver son frère et il envoie ses serviteurs. Il n'y a qu'une personne qui peut demander le pardon à son frère, c'est Jacob. Mais il envoie ses serviteurs. Donc Jacob, il veut tout et son contraire. Il veut avoir la première place et il veut être le petit garçon de sa maman. Hein, c'est ça le point de départ de l'histoire. Il veut la richesse, il veut la première place, il veut l'amitié de son frère, il veut tout. Et ce Jacob, hein, c'est un homme intrinsèquement partagé, intrinsèquement divisé. Jacob n'a pas lutté avec Dieu, il a lutté avec lui-même. Il affronte, grosso modo, ses contradictions. Il se met face à sa vie d'un homme qui veut tout et qui, ayant tout, n'a peut-être pas grand-chose malgré ce qu'il peut penser. Et cet homme, c'est aussi là qu'il est un peu un personnage de roman, mais qu'il est un petit peu nous-mêmes, parce que nous sommes tous à vouloir tout et son contraire. On va un peu lire la Bible, hein, on va se dépêcher d'aller travailler, on va mettre de côté ce qu'on a lu dans la Bible à son travail. Hein. On veut beaucoup de choses. Et il y a des moments où il faut se dire non. Hein. Il faut se dire qu'il faut savoir ce que l'on veut. Et il faut sortir de perpétuels débats intérieurs, de frustrations, de divisions qui font qu'à la fin de la journée, on est fatigué. Et donc, nous pouvons nous reconnaître aussi dans ce Jacob. Et ce que fait Jacob est là magnifique. Il a couru après ses rêves, ses ambitions toute sa vie. Et là, il sait, il sent, il voit, il fait que c'est bien ça qu'il doit mettre à distance. Et oui, cet homme dit, tu vas t'appeler Israël parce que tu as combattu Dieu et les hommes et tu l'as emporté. Mais qu'est-ce que Jacob a vraiment emporté ? Il a des troupeaux, il a des serviteurs. Il a de fait 4 femmes, 11 enfants. Il a tout. Mais quel a été le prix de tout cela ? Hein, c'est beaucoup de labeur, beaucoup de difficultés. Donc, Jacob est aussi à ce moment-là à se rendre compte qu'il a beaucoup, mais que ce qu'il a, il a peut-être payé un très grand prix. Et il commence à mesurer, hein, ce qu'a été sa vie et ce qui est vraiment important. Donc Jacob, oui, l'a emporté dans toutes ses batailles avec son frère, avec Laban. Il a tout gagné, mais a-t-il vraiment gagné ce qui était essentiel ? Et ce qui est très puissant dans ce passage du Yabok, c'est « Oui, j'ai beaucoup, mais même si j'ai beaucoup, ce n'est pas le plus important. Le plus important est à venir, le plus important, il va venir après. Parce que après, il devient Israël, il devient le fondateur du peuple d'Israël avec ses 12 tribus, hein, parce que ses onze garçons deviennent les 11 tribus d'Israël, c'est-à-dire il est un personnage essentiel.
de l'Ancien Testament. Donc, il avait beaucoup, mais après le Yabok, il aura encore beaucoup plus. Dieu lui a donné beaucoup, mais ça n'est que le début de l'histoire. Le meilleur est devant, le meilleur est après le Yabok. Et le jeune homme riche dans tout ça, hein. Pourquoi parler du jeune homme riche? L'Ancien Testament nous parle de Jacob, c'est un personnage extraordinaire parce qu'au Yabok, il a une sorte de clairvoyance. Cette clairvoyance lui permet de passer à autre chose. Et ce moment est décisif, mais ce Jacob, je dirais qu'il est trop. On aimerait être capable de faire comme lui, de se dire, bon, non, tout ce que j'ai, ce n'est pas important. Mais honnêtement, ça n'est pas facile. Et Jacob, il était très humain jusqu'au Yabok. Mais là, au Yabok, il devient un personnage, il devient vraiment un patriarche, il devient vraiment un enfant de Dieu au sens très complet des choses. Et le personnage du jeune homme riche nous apporte une autre dimension de ces passages. Le Yabok, c'est un passage, et le jeune homme riche, il est face à son Yabok, à lui. Il vient voir Jésus et il lui dit, j'ai tout, mais je n'ai rien. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, il se rend compte qu'il est dans cette position de celui qui croit avoir, qui pense avoir beaucoup, mais il sent bien qu'il n'a pas ce qu'il est, qui est essentiel. Et il se pose cette question, la même question, le même problème que Jacob avait à ce moment-là. Et ce personnage est évidemment terriblement réel, parce que on aimerait être Jacob au Yabok. On est peut-être plus près du jeune homme riche. C'est-à-dire, Jésus dit, viens, laisse tout et suis-moi. Et on respire un grand coup et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, hein? Et donc, le jeune homme riche, c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus près de nous. Mais ce qui est fondamental, c'est que le jeune homme riche, lui, il a quelque chose que Jacob n'avait pas, mais dont il n'avait pas eu besoin, c'est qu'il a Jésus qui est là. Et il y a un moment extraordinaire, c'est que Jésus, face à cet homme plein de doutes et qui ne va pas pouvoir, Jésus se prie à l'aimer. C'est-à-dire que Jésus l'aime avec son doute, avec son impossibilité. C'est trop dur pour lui. Oui. Mais Jésus l'aime. Et Jésus dira plus tard, ce qui lui est impossible à lui n'est pas impossible à Dieu. Donc, Ce jeune homme riche, c'est un passage pour nous, c'est un chemin. Jésus est le chemin. Ensuite, le contraste entre les deux nous apporte des enseignements un petit peu pratiques. Parce que le jeune homme riche, il vient vers Jésus, « bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Jésus lui dit, laisse tomber tes richesses et viens. Et le jeune homme riche, il dit, non, c'est pas possible.
Et puis il s'en va, et il est tout triste. Ça dure, on a l'impression que ça dure 3 minutes. Jacob, il est seul toute la nuit. Il combat toute la nuit. Et au petit matin, il s'en va en boitant. C'est-à-dire qu'il y en a un, on lui dit, bon, ben voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses, et il dit, ben non, et il s'en va. Il y en a un autre, quand même, qui accepte de se mettre face à sa vie toute une nuit. Et il combat à main nue avec lui-même, contre lui-même, toute une nuit. Et il y laisse une partie de sa chair. Donc, voilà. Ça ne vient pas tout seul. Dieu se prie à l'aimer, mais bon, quelquefois, il faut aussi combattre toute une nuit, et ce combat est nécessaire. Il fait partie du passage. Les passages ne viennent pas comme ça, ça n'est pas en un claquement de doigts. Ensuite, ce qui est très puissant dans cette comparaison, c'est la mise à distance, le fait de suivre. Jacob met à distance tous ses biens. Il réfléchit à tout ça, il réfléchit à sa vie. Et le jeune homme n'arrive pas à réfléchir, il n'arrive pas à se poser. Et il n'arrive pas surtout à comprendre que quoi qu'il ait, en suivant Jésus, il aura beaucoup plus. Jacob met tout à distance au risque de tout perdre. Il peut tout perdre, mais il l'assume. Et il obtient 1000 fois plus. Le jeune homme riche croit qu'il a beaucoup, ne se rend... Voilà. Et je crois que, voilà, nous avons tous des choses, un peu, beaucoup, on a tous des richesses. Mais quoi que nous ayons, Jacob nous dit, ça n'est rien par rapport à ce que vous aurez dans l'alliance avec le Père en suivant Jésus. Amen.
Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci pour tous ces témoins que tu as appelés et suscités avant nous. Tous ceux dont les combats et aussi les victoires peuvent nous inspirer aujourd'hui. Seigneur, en nous souvenant de Jacob et de ce passage du Yabok, nous te prions pour tous ces passages que nous avons à accomplir dans nos vies, ces moments décisifs qui peuvent faire basculer notre vie, ces moments de retour vers toi qui sont aussi des retours vers nous-mêmes. Seigneur, nous te le demandons, apprends-nous à mettre nos biens et nos richesses, tout ce que nous avons construit nous-mêmes, à distance, pour pouvoir te rencontrer vraiment. Tu sais combien il nous en coûte, mais tu nous as rappelé ce matin ce qu'est la vraie liberté. Oui, apprends-nous à mettre toutes nos richesses à distance pour ne désirer finalement que toi et toi seul. Seigneur, nous voulons te prier ce matin pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, luttent avec eux-mêmes, luttent avec leur histoire, leur héritage, avec leurs péchés. Nous voulons te prier pour tous ceux qui luttent avec leur entourage, leur famille, un frère, un collègue, des frères et sœurs en Christ, tous ceux qui s'épuisent dans ces luttes parce qu'ils luttent contre la chair et le sang. Et puis nous te prions pour tous ceux qui luttent avec toi et qui ont tant de mal à se laisser vaincre par ton amour. Nous voulons te prier ce matin aussi pour tous ceux qui sont rassemblés ce week-end pour participer au séminaire Libéré 2 à Belleville. Permets, Seigneur, que l'enseignement qu'ils ont reçu leur permette de grandir dans leur confiance en toi et dans la glorieuse liberté à laquelle tu les appelles. Suscite dans les églises, aussi diverses soient-elles, des hommes et des femmes de bonne volonté, renouvelés par ton Saint-Esprit, capable d'exercer un vrai discernement spirituel pour le bien de tous. Suscite dans nos communautés toujours plus d'intercesseurs engagés dans le combat de la prière pour leurs frères et sœurs et aussi pour ce monde. Permets que les hommes et les femmes qui viennent aussi dans notre communauté pour un accompagnement puissent repartir libérés de leurs fardeaux et de leurs peines grâce à ton amour, grâce au souffle de ton esprit. Seigneur, merci pour le ministère d'accompagnement spirituel au Temple du Marais, pour celles et ceux qui se rendent disponibles chaque semaine pour prier pour les autres. Nous voulons te prier tout particulièrement pour Nathalie, qui coordonne tous les rendez-vous, et pour les membres du comité libéré. Seigneur, renouvelle chacun et chacune dans son engagement et affermis-nous dans la vision que tu nous donnes pour ce ministère. Apprends-nous tous, Seigneur, nous qui sommes tes enfants, à prier les uns pour les autres, à nous engager dans ce combat pour la liberté. Avec ton Fils, Seigneur, nous voulons rassembler toutes nos prières en te disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter. Je vous invite à vous asseoir. C'est maintenant le moment de l'offrande qui va être recueillie parmi vous, pour ceux qui êtes dans le temple. Et ce moment d'offrande est un moment qui fait partie du culte, en ce sens qu'il est aussi un moment pour exprimer notre reconnaissance et notre louange à Dieu. Vous pouvez y aller. Et pour ceux qui sont sur Internet, ben vous avez aussi la possibilité de vous associer à ce geste, notamment parce que vous pouvez faire un virement directement grâce au site Internet. Donc, vous pouvez aussi participer. Quelques annonces pendant que l'offrande circule parmi vous concernant notre vie paroissiale. Alors, je ne vais pas mettre tout de suite la vidéo d'Alpha, puisqu'on va attendre que l'offrande soit terminée, mais quelques activités
à mémoriser. Tout d'abord, les mini-églises qui ont repris la semaine dernière sur le thème de la prière. Vous pouvez rejoindre à tout moment une mini-église. Vous avez la liste de toutes les mini-églises sur le site internet. Il y en a au temple, il y en a le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Donc vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site et rejoindre un groupe de maison pour ce mois-ci ou pour plus longtemps si vous le voulez. Ensuite, vous pouvez participer si vous le souhaitez aussi à des maraudes. Tous les jeudis à 18h30, il y a une petite équipe qui part du temple et qui va distribuer du pain, une boisson chaude, mais surtout entrer en relation avec les personnes qui vivent dans la rue, leur apporter aussi un peu de fraternité, de joie et même la prière quand ils le demandent. Donc pour ça, il suffit d'envoyer un mail à diaconie@dumarais.fr. Et vous pouvez aussi demander un rendez-vous le jeudi de 14 à 16 heures. Il y a une permanence de l'entraide pro. Donc sur les questions professionnelles, n'hésitez pas à demander un rendez-vous pour les questions professionnelles en envoyant un mail à entraidepro@dumarais.fr. Alors, on va regarder une petite vidéo sur le parcours Alpha qui va commencer le 7 mars. Mais donc on regarde d'abord la vidéo. Nous avons tous quelqu'un comme ça dans notre vie. Ce voisin que nous croisons chaque jour sur le palier. Ce collègue que nous voyons au bureau tous les jours. Ou ces amis que nous retrouvons de temps en temps. Nous aimerions qu'ils puissent connaître l'amour de Dieu. Comment le partager ? Où commencer ? Nous savons au fond de nous que cela nous coûtera de nous ouvrir et partager notre foi. Cela demande du temps, de la vulnérabilité, un sacrifice. On risque de se faire rejeter. Mais c'est notre appel d'ouvrir nos vies et de partager Christ avec les personnes qui nous entourent. Parce que c'est uniquement en nous ouvrant que nous créons l'espace pour des conversations honnêtes. Un espace où les gens peuvent être eux-mêmes et se pencher sur les sujets importants de la vie avec des personnes de confiance. C'est pour cela que nous organisons Alpha. C'est un parcours de plusieurs semaines où vous pouvez inviter vos amis à explorer les questions de la vie autour d'un repas. C'est l'occasion d'inviter ces personnes dans une conversation honnête sur la foi. Lorsque c'est difficile de trouver le bon moment, ou les mots, ou le courage, vous pouvez simplement les inviter. Alpha, qui inviteriez-vous ? Voilà, et vous l'avez compris, on espère que vous allez tous inviter quelqu'un. Le parcours Alpha, c'est vraiment un outil formidable pour faire connaître la foi chrétienne dans une société où finalement on n'a plus les fondamentaux, on n'a plus les bases de la foi chrétienne. Et nous-mêmes, on est souvent un peu en difficulté pour partager notre foi. Donc cet outil, il est à notre disposition. Donc ça va démarrer le 7 mars. Alors la plupart des groupes seront sur Zoom, c'est hyper facile, hein, il suffit de se connecter le soir. Ça sera pour 10 semaines. Et puis il y aura quand même aussi un groupe en présence le samedi après-midi. On va avoir deux formations pour les personnes qui pourraient être des animateurs de groupe. Donc on a aussi besoin de vous. Alors on a d'abord besoin de vous pour inviter des gens, parce qu'on ne fera pas le parcours si à personne. Donc voilà, invitez tous une personne au moins. Et puis on a besoin aussi d'animateurs pour les différents groupes qui vont avoir lieu sur Zoom ou en présence. Et il y aura deux formations le lundi 14 février, donc ce lundi là, de 20h à 21h30 sur Zoom. Et puis il y en aura une deuxième, je crois, le 20 février. Pour ça, il suffit de s'inscrire à serviralpha.dumarais.fr. Si vous voulez, si vous vous dites pourquoi pas, je ne sais pas, j'hésite, mais voilà, je vais participer à la réunion. Et puis pour s'inscrire au parcours Alpha, c'est tout simple, c'est parcoursalpha.dumarais.fr. Sachez aussi qu'on aura un événement un peu qui va introduire ce parcours Alpha. Ce sera un concert gospel le samedi 5 mars à 18h30, ici même au temple.
Donc là aussi, vous pouvez inviter beaucoup de gens. Ça sera un concert donné par Anaya et qui est vraiment un concert d'évangélisation. Voilà, donc retenez bien ces événements et ce sera tout ça des outils pour inviter des personnes de votre entourage. Je crois que j'ai tout dit. Pour ceux qui le souhaitent, à la fin de ce culte, il y a la possibilité de recevoir la prière pour vous-même ou simplement une bénédiction. Il y a eu une bénédiction au début du culte, mais vous avez peut-être besoin d'une bénédiction juste pour vous ce matin. Donc n'hésitez pas à aller dans la petite chapelle qui se trouve au fond à gauche et à demander la prière pour vous. Et puis, vous pouvez à tout moment aussi demander un rendez-vous d'accompagnement spirituel puisque nous proposons des rendez-vous dans la semaine avec des personnes qui sont formées pour ça. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur veut vous bénir et il vous bénit maintenant. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Le Seigneur fait resplendir sa lumière sur vous et il vous donne sa paix. Recevez cette paix maintenant et que sa bénédiction vous accompagne tous les jours de cette semaine. Amen.